Avec les mesures sanitaires, ce sera peut-être compliqué, mais si je peux approcher Alaphilippe, quand même le champion du monde, un Français, ce serait top. Et bah, du coup, c'est mon premier Tour de France avec la Garde républicaine, car j'ai intégré l'escadron moto en janvier. C'est une mission assez prestigieuse, et donc ça va être super intéressant, j'imagine. D'après ce qu'on m'en a dit, ça sera plutôt festif et joyeux. Je suis un peu dans une famille de cyclistes où mon père a pratiqué le vélo. J'ai pratiqué moi-même aussi de mon côté, pas en compétition, mais par pur loisir. Et du coup, le Tour de France, je le regardais chaque année chez moi. Et du coup, j'ai continué en grandissant et j'ai déjà participé sur le bord de la route au passage des coureurs. Ce qui me fera le plus plaisir, je pense, c'est de rouler sur des beaux paysages tout en étant au plus proche des coureurs et voir comment se déroule vraiment la course. En fait, on peut allier les deux, un beau paysage et une mission super sympa. Je sais que le contact avec les gendarmes, avec la population sur le Tour de France, souvent il est assez positif. Et moi, j'aimerais continuer à amener cette image parce que bon, on est là pour assurer la sécurité et encadrer la course, mais on est aussi là pour renouer le lien avec la population. Et je pense que c'est un bon moyen, le Tour de France, pour véhiculer tout ça.